Et bienvenue à tous sur la chaîne de Neurotro Gaming, c'est Mocha, de retour pour vous présenter un jeu gratuit, vous représentez un jeu gratuit d'ailleurs, car c'était le premier que j'avais présenté, il me semble, en tout cas un des premiers, il y a déjà de cela 7 ans, puisqu'on était en 2015, c'était la version 5, la R5 plus précisément, au niveau du jeu je crois. J'avais dû refaire une petite présentation pour la numéro 7, si je ne m'abuse. Et là donc nous voici enfin avec la R9, grosso modo, qui est donc la dernière en date, et aussi la dernière tout court, à peu de choses près, puisque maintenant ils sont déjà en train de bosser sur, pas la suite vraiment, mais on va dire la version Director's Cut de Sonic World, qui sera donc Sonic World DX, et comme vous pouvez voir juste en dessous de la webcam. Let's go ! Il y a donc le trailer déjà à disposition. Donc Sonic Tour, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, c'est un fan game créé par la communauté des fans de Sonic, qui reprend dans les grandes lignes le délire qu'on pouvait avoir avec le Sonic Adventure, c'est-à-dire un peu de zone, enfin je sais plus trop comment ça se passe, c'est pas vraiment un monde ouvert, c'est clair, c'est pas comme dans Sonic Adventure 1, mais en tout cas il y a des chaos et il y a beaucoup de personnages. Présent, ils ont mélangé un peu les genres. Il y a un peu de Sonic Adventure, un peu de Sonic Team aussi, ou je ne sais plus trop quoi, dans lequel il faut. On avait donc plusieurs personnages avec lesquels on pouvait changer en temps réel pour s'adapter aux situations. Comme là, on s'est fait avoir. Là, en l'occurrence, j'ai mis en solo, c'est-à-dire plus avec Sonic. Je vais pas montrer tous les personnages, mais on reviendra dessus. Hein. J'imagine, il y en a un bon paquet, divisé donc en plusieurs catégories, hein, comme dans les jeux officiels. Les aériens, ceux qui sont avec la vitesse, et d'autres comme Knuckles qui peuvent donc... sont un petit mix entre les aériens, quoi, et la vitesse peut-être. Enfin bref, on va pas faire toute le background de Sonic, mais... juste pour vous représenter ce petit jeu qui est plutôt cool et qui est donc plus complet que jamais au moment, en tout cas. Est-ce que c'est prévu d'être là? Parce que je me suis loqué. Ah, comme nous lock. Non, c'est bon, les hormones de sortir. Peut-être même plus que dans les jeux officiels, on va voir. J'ai quitté la route, ouais. J'ai l'impression en tout cas. Donc là, pour le chrono, c'est mort déjà. Donc ouais, c'est pas parfait, hein, mais c'est quand même pas mal, franchement. Il ouais, y a quand même moyen de retrouver la route, je crois. Ou pas. Ah. Allez hop. Adios Sonic. Il n'y a pas le choix. On va aller au checkpoint. Donc oui, bah tout n'est pas parfait, évidemment. Hein. C'est un fan game, mais franchement, on est quand même pas loin d'un jeu Sonic officiel, sachant que c'est quand même souvent... Sonic a toujours été un peu buggé. Hein. Tous les Sonic sont un peu buggés. En tout cas, depuis au moins l'ère 3D. Donc c'est pas des trucs très gênants. Mais en parlant de bugs un peu plus gênants, il y a celui du remapping des touches. Qui pour moi, bah donc obligé à tout effacer avant de tout reparamétrer. C'est-à-dire j'ai dû vraiment effacer tout ce qui était déjà préconfiguré. Pour enfin remettre mon setting, sinon ça marchait pas. Si je changeais qu'une seule touche, bah ça indiquait que ça changeait, mais en fait non, hein, c'était pas effectif en jeu. Et ça, il me semble que c'est un défaut qui était déjà présent dans la version que je vous avais présentée il y a déjà maintenant 7 ans. Voilà, cette fois-ci, on s'est pas fail. Merde! Voilà, tant mieux. Je vais essayer de m'attraper au dernier moment. Donc, pour le finir à 100%, d'après ce que j'ai vu, il faut compter 5-6 heures. Avec tous les personnages, en récupérant tout, les émeraudes, tout ça, quoi. Après, c'est sûr que si on fait en one shot avec Sonic, allez, en 1h30, peut-être qu'on a fini, mais bon. Franchement, pour un truc gratuit, déjà, c'est plutôt cool.
Mais bon, 5-6 heures de jeu pour faire le 100%, ça va, hein, dans la moyenne, largement, d'un jeu classique, officiel, quoi. Merde. J'ai réussi à faire ce que je voulais, je vais sauter sur le bumper, prendre le checkpoint. Ah, j'ai oublié, alors en fait, il fallait que je fasse un... Merde! Voilà, bon, j'ai réussi à rattraper. Il fallait que, pour les ballons, il aurait fallu que je fasse un coup de pied circulaire, là, pour avoir les trois en même temps, vous voyez ce que je veux dire, enfin, bref, pas grave. Après, dans le même genre, Pan Game, on va dire, lui qui est juste en dessous, en termes de contenu... C'est Sonic Robot Blast 2. Bon, après, c'est comme plus old school, même au niveau du gameplay. Hein. On est quand même plus dans vraiment du fan game qui essaie de moins. Qui, enfin, comment dire, qui est quand même moins fidèle aux jeux originaux. Hein, parce qu'à la base, c'est le moteur Doom déjà. C'est pas vraiment de la vraie 3D et en plus, c'est pas vraiment trop évident à jouer, mais c'est vraiment pas mal. C'est quand même bien fichu. C'est assez long. Donc, pour les amateurs du joueur, ça peut le faire quand même. De toute façon, c'est gratuit. Ceux qui aiment l'univers Sonic sera toujours bon à prendre. Mais sinon, bon, pour les autres qui veulent avant tout un jeu de plateforme, je vous conseille quand même Sonic World. Plus friendly user, j'ai envie de dire. Plus facile. Et plus moderne aussi dans le gameplay. Voilà, petit classement, petit rang. Skip, hop, c'est pas grave. Donc pour chaque mission... Vous avez donc des emblèmes à récupérer, etc. Mais vous avez donc aussi pour chaque niveau plusieurs façons de le faire selon le personnage que vous avez, etc. Ça reprend le principe de Sonic Adventure, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut voir ça en bas à droite. Alors, je sais plus comment on passe d'un l'un à l'autre, mais vous voyez, mission, j'en ai plusieurs à disposition là, j'en ai 5. Il y a le chrono, il y a le run normal, il y a le run parfait, j'imagine, et puis le fait de récupérer tous les anneaux. Et ça, c'est avec Sonic uniquement. Enfin, après, ça dépend des personnages, évidemment. Donc, on va revenir justement dans le menu sélection des personnages. En même temps, je peux vous faire voir qu'il y a single, pair, c'est-à-dire à deux, ou team, qui me semble être à trois. On va rester en single, sauf que là, on va se mettre, allez, pour changer un peu. Sur ce côté, allez, on va rester dans les classiques, on va prendre Knuckles. Est-ce qu'on refait la même avec Knuckles pour voir s'il y a des différences? Ouais, allez. Et c'est là que je choisis, donc. Ouais, bah non, apparemment, il n'y a pas vraiment de différence. Pas comme je le pensais, forcément. On va voir si c'est vraiment le même chemin. Chose que je ne sais plus, hein, ça fait un petit moment. Bon, après, peut-être qu'ils n'ont pas poussé au fait qu'il y ait vraiment un chemin précis pour... peut-être pas non plus pour chaque personnage, mais plutôt... ne serait-ce que pour chaque classe de personnage. Non, ça m'a l'air d'être la même chose. Bon, du coup, merde. On va se taper la même chose, mais je pense que je vais sortir, tout simplement. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grands changements. Après, hein, c'est peut-être aussi moi qui connais pas le niveau. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres façons... Avec lui, justement, je pourrais profiter d'aller ailleurs. Je ne pouvais pas aller avec Sonic, je ne sais pas, c'est possible. Mais vous voyez, bon, au moins, le gameplay n'est pas le même. Ça reste le même parcours, mais jouable différemment. Voilà, bon, c'est déjà ça. Il me semblait peut-être un peu plus comme Sonic Adventure, vous voyez, que genre j'aurais eu des objectifs différents avec Knuckles, mais non. Pas encore jusque-là, peut-être plus tard dans la version Director's Cut, ou peut-être dans d'autres niveaux, je ne sais pas. Donc, on quitte parce qu'on l'a déjà fait celui-là. On va continuer avec Knuckles, mais on va s'en prendre un autre, histoire de changer quand même. Alors, ce que j'avais déjà remarqué, c'est que les niveaux n'étant pas faits forcément par les mêmes personnes, parfois, il y a, comme là, on dirait la Nintendo 64, quoi, comparé aux autres, quoi, niveau du design en général, mais bon, pas très homogène, j'ai envie de dire, des fois, mais c'est quand même, pour la plupart du temps, si. Il y a quand même quelques petites différences, parfois, ici ou là, quoi, ça. C'est un petit clin d'œil rétro aussi, j'imagine. Là, c'est sûrement inspiré d'un, je sais pas, Sonic 3D Blast, qui sait, sur...
est sorti sur sur Mega Drive à l'époque. Je ne sais pas, parce que ça m'a l'air bien cubique, quoi. Je peux pas l'avoir, eux. Peut-être qu'avec Knuckles que tu pouvais prendre ça, hein. Du coup, si sauf. Ah non, il y avait ça, j'aurais pu aller avec Sonic aussi. Bon, du coup. Là, je suis paumé. Je suis face à un mur, c'est le cas de dire. Il fallait un bumper à activer pour ouvrir la porte. Pas l'impression. Super. Peut-être qu'il faut que je les prenne eux et que je les jette dedans. Non. Je sais que dans Sonic, j'ai oublié, mais dans Sonic justement, on est en team. Knuckles a le pouvoir de pouvoir prendre les ennemis dans... Ah non, c'est vrai qu'il prend ses alliés dans les mains et les jette. Ah bah voilà, c'est qu'il fallait tous les tuer pour ouvrir. Ok, d'accord. Je me réveille. Ah, bande de saleté de robots. Sûrement le truc que je loupais, mais c'est pas grave, on trace. On essaye, sans tomber. Mais ça joue quand même bien, franchement. On est dans ce qu'on pouvait ressentir, ou voilà, c'est le même gameplay que Sonic Adventure, quoi. Ou Sonic 3D, plus ou moins réussi, qui ont suivi. Non! Voilà, avec ses défauts et ses qualités. On coupe les choux. Voilà, ça sera mieux. Pourquoi s'embêter quand on peut faire simple? Récupère des pièces quand même, voilà. On marche sur le mur, attention. Je me suis foiré, tant pis. On arrive à la fin. Le score, parce que sinon ça va être un peu long. Rang A, peut-être par rapport au temps. Et pourtant, je me suis bien fail. Puis j'ai pas récupéré grand chose. Hein. You got one arm. Ce qui m'en fait deux. Voilà. Je sais pas combien on a récupéré, mais bon, au moins autant que chaque défi et que chaque mission. Je vérifie ce que. Le jeu est un peu particulier à capturer, là, j'ai dû changer de technique. Donc, bon, maintenant on va essayer Tails. Les trois principaux, quoi. Après, peut-être qu'on verra par la suite. On va donc aller dans le labyrinthe. Allez, poursuivons. Directement à la suite avec le niveau qui suit. J'ai pas fait le compte, mais le niveau, il a l'air d'avoir une bonne dizaine. Hein. Peut-être le double. Ramassons ça, voilà, ce sera pour les KO. Ah ouais, ça va être galère là.
Les nouveaux sous l'eau, ça stresse, bordel. Prenons une petite bulle. Oh, hop. Là, je crois pas pouvoir y aller. Si, si, putain, mais c'est limite. Hein. Il me faut de l'oxygène, ce serait bien. Il y a une cloche là, je sais pas à quoi ça sert. Il faut pas d'oxygène, bordel. Musique qui stresse bien. Tant, ça va pas changer, c'est toujours la même. Bon, du coup, là, je fais quoi? Ça me mène où ça? Surface? Bah voilà, bah tant mieux. Il est temps de retomber dans l'eau. Même si là, ça va, on pourra sortir. Voilà, il y a notre cloche, mais cette fois-ci, elle est pas emprisée. Dans la cage, quoi. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, ça me donne des pièces, d'accord. Bon, y'a rien à récupérer en bas, apparemment rien de particulier. Ah! Je perds des pièces pour en récupérer, ça n'a pas de sens. Ah, il faut d'abord que... Ok, peut-être qu'il faut que je défonce aussi. On va à la porte. On doit bien que c'est bon là, non? Non, pas encore. Toujours pas. Fan to two switch. Il y a un truc à trouver. D'accord, super. Ce que j'ai fait ne sert à rien là. Non, là je viens de là. Non, faut descendre, y'a pas le choix. J'ai pris le bumper, mais faut l'esquiver. Voilà. Ah! Pas où aller d'autres. Aussi remarque, voyons voir c'est quoi ça. Ça me mène où? Juste pour ça. Prenons une bulle et allons par là. Ouais, et... Ah, je couchais des pièces. On peut pas la ramasser après. C'est quoi cette douille? C'est quoi ces trucs là? Je suis venu ici pour faire quoi? Demi-rings, tail sweep, drift, jump, roll, pick-up. Ah bah voilà, pick-up, c'est combien alors? C'est quoi? RT. Voilà. Bah, je vous conseille vraiment de reparamétrer vos touches, hein, vous allez en avoir besoin. Voilà, je suis obligé de passer comme ça du coup maintenant. Mais c'est un truc à ramener. Apparemment, on va en avoir besoin. Sinon, vous allez galérer. Parce que les touches par défaut, c'est un peu de la merde. Genre, Star, c'est sur le clic du joystick. Un exemple de truc un peu bizarre. Je
perds moins une pièce. Donc ça, j'en fais quoi, moi? Maintenant. Est-ce que j'ai récupéré l'oxygène? Ouais, c'est bon, moi. Deux fois que... Non. Par là, je suis pas allé, je crois. Salut tout le monde! Je ne fais que passer. Je suis grillé là quoi. Oh bordel! Il va mourir là quand même! Ramasse ça bordel! Allô. Ramasse-elle. Voilà, au moins. Il y a juste une vie, quoi. Super. Mais qu'est-ce que je fais de cette balle, là, bordel de merde? Je remonte à la surface avec. Peut-être bien. On va voir, hein. Ça serait plus par où? Ça c'est quoi ça déjà? Peut-être que je la pose là en haut, non? Ah mais j'ai pas accès à hauteur. C'est quoi ces poutres d'ailleurs là? C'est étrange. Mais... Alors, est-ce que je viens de là? Je sais même plus par où j'arrive en fait. Voilà, c'est là que je t'ai récupéré ça. Donc c'est à gauche ici. Là, le chrono, ça va être compliqué. C'est un foiré de robot. Je suis paumé la caméra s'il te plaît, voilà. Bon en fait non, y'a rien là. Ah oui bah voilà. Pose là. Est-ce que ça marche là? Est-ce que c'est bon? Bon je viens de là. Bah du coup je vais la mettre là elle. Voilà bah c'est bien ça, elle se met toute seule du coup. Et il fallait chercher l'autre qu'elle a. Voilà, Einstein. On va éviter le bumper, voilà. Bah elle est seule, c'est la plus rapide à prendre. Moins vaste. C'est bon. Quand on a la bulle, on peut plus... Ah elle est enfoirée. Je peux plus voler. C'est, si j'avoue, un peu gênant. La balle là, elle est là. Je ramasse là. On passe sur le côté. C'est plus safe. Oh putain, merde, j'ai plus l'oxygène. Oh là là, la seconde près quoi. J'ai cru que j'allais mourir au moment où j'allais sortir de l'eau. Non, ça va. On a 8 S fail. Bon, avant de... Je vais récupérer les pièces, là, quand même, vite fait. Histoire de pas être vulnérable et de mourir au premier coup. Voilà, maintenant, ça, c'est ouvert. Allons-y. J'ai pas eu le temps de prendre l'oxygène sur la route, j'espère que je vais pas le regretter. C'est la fin!
Ah ta connerie. J'arrive pas à tourner la caméra, il y a un truc. Non, il y a rien. Allez. Donc franchement, j'ai pas forcément pris le meilleur personnage pour ce genre de niveau, hein, quoi que... Mais bon. Personnage aérien pour un niveau aquatique, il y a mieux, je pense. Voilà, ça m'en fait 3. Starlight, là c'est l'air de truc speed. Donc on va changer de perso. Silver the Headwork, je connais pas celui-là. Shadow, vaguement. Après, bon, les autres. Lui, je me souviens, il était dans le jeu de trio là que je vous ai parlé. Bon, allez, on va prendre lui, je le connais pas, ça va me donner l'occasion de l'essayer. Dans la vie, c'est comme ce Sonic, je suppose. Lui aussi, ça doit être la vitesse. Ok, puis il peut voler un peu aussi. C'est un mélange entre Knuckles et Sonic, quoi. Il a raté, mais bon, tant pis. Je comprends rien. Ah mais non, mais je suis pas censé suivre les Indos, là. Plutôt que d'aller dans... que Sonic. C'est une trompée de tour. Le vol m'est passé haut. Oh. Take this. Je crois que j'ai trouvé en fait. Faut d'abord activer un truc pour ensuite... Ok. Je me souviens dans Sonic Adventure, fallait charger l'anneau là. On porte là, le bracelet pour pouvoir suivre les anneaux. Avec une attaque là, un truc là, bref. Cassement rapide. C'est Psychénésis là, ouais, je sais pas trop ce que... Ah mais merde. Arrête de laisser traîner les trucs sur le bord de la route là. Ah je suis... Alors, ouais. T'as toutes mes vies dans ce niveau quoi. Bon, est-ce que c'est bien ça? Non. Ça m'a peut-être plus balèze, mais bon. Bon, on s'en fout de la cloche. Oh, mais merde! Je dois aller trop vite. Enfin, c'est 3 vies, quoi. Mais je me suis foiré. J'aime pas trop celui-là. Ah, d'accord. Et je fais quoi maintenant? Je le rejette? Ok, je peux les jeter, ok, d'accord. Voilà, la kinésie, ça sert à ça, dépasser les débuts. J'ai vraiment cru pouvoir l'esquiver. Hein. Allez, vous faire foutre, je me casse. Vous faire foutre, m'en vais. Perdu 5 vies ici, quoi, je crois, moi. Ah, faut d'abord Summer, hein, faut d'abord tous les buter, je crois. Ou pas. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je bouge? Qu'est-ce que
lui à faire avec ça. Just like that. C'est pas d'annonce. Ça va pas faire. Ah, c'était peut-être ça que j'avais activé, d'accord. Il y a encore un autre là et à mon avis ça va pouvoir être bon. Pas trop, c'est déjà bon, hein. Ouais, c'est bon. Que nous ont pas prié, les barons nous. J'ai du mal avec la perspective là. Oh putain de merde. C'est bon, je meurs pas. Par contre, je récupère des pièces moi. Merci pour le follow. Ah mais non, je me suis foiré. J'ai du mal avec la perspective là de situer où. Voilà, où était le bumper quoi. Voilà, je prends des pièces avant de mourir là. On va laisser tranquille celui-là. Ah, j'ai plus de pièces. Bordel. On allait trop vite, monsieur. Encore fail dans le vide. Let's go. Oh là 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 là. How's this? Ah, je... C'est bon, j'ai réussi à me barrer. Faut absolument que je récupère des pièces. Oh là là. Le vieux lézard, il m'a mis un coup de langue, il m'a tué. Je crois que j'ai plus de vie. C'est game over. Game over. J'ai défoncé toutes mes vies dans ce saleté de niveau. Je pense que je vais retourner avec Sonic. Ou alors peut-être que je pourrais essayer lui là, espion. Il me dit quelque chose lui aussi, je le connais, je crois qu'il était dans le... Sonic, je sais plus, Sonic Team, je crois que c'est ça tout simplement. Hein. On pouvait déjà à 3 et passer de l'un à l'autre. Il y a toujours les 3 personnages à l'écran, mais on pouvait choisir lesquels on contrôlait en fait. Ça reprend ce système là, il me semble, dans le jeu là, mais là c'est que je me suis mis en single. C'est histoire de changer aussi et puis de découvrir. Hein. Je pense que c'est plus simple de commencer avec un personnage, le temps de s'habituer à lui. Et après, on peut s'amuser à faire des doubles ou des triples. Donc lui, il a quoi comme truc? Ninja Star. Coup, kick. Ah, laisse-moi lire, tranquille toi. Ok, je peux jeter des étoiles de ninja, d'accord. Du projectile. Ok, et ensuite... Oh mais non, mais non! Je vais encore mourir des fois ici, je le sens. Ninja Star... Ah là, ok, d'accord. Oh non, je me suis remis dans le vide. Mais c'est en mes touches. Be on your guard. Décidément, c'est pas clair, ça. Bon. Voilà, au moins j'ai appris qu'on pouvait faire ça. Faut se méfier parce que y a tous ces enfoirés.
Ouais, elle m'a pris checkpoint, mince. Tant pis. Oh. Alors, c'est quoi le truc? Non, c'est là-bas, c'est vrai, mince. Encore pareil. J'ai vraiment du mal ici. Saleté. Heureusement que ça peut aller vide en dessous, hein, parce que sinon j'aurais déjà perdu 15 vies. Hein. J'ai voulu planer, hein, mais ah, dommage. Mais bon, il y a quand même un petit temps d'adaptation, hein, normal, hein, les personnages ont des pouvoirs un peu spéciaux, même ça revient un peu au même, hein, c'est planer, glisser, jeter des trucs, faire des attaques, voilà, c'est quand même assez classique. Ça revient souvent, souvent au même, mais on va dire, à quelques légères différences. Là par exemple pour planer c'est pas la même chose que tout à l'heure avec Knuckles. Mais alors parce que j'ai plus de vie de. J'esquive tout ça là. Voilà, oh, allez vous faire foutre. Ah. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon, on recommence. Je me suis foiré. Voilà. J'aurais galéré pour celui-ci. Hein. Quatrième emblème, Chemical Plant. Ah, ça me rappelle un niveau de The Necroboblast 2 d'ailleurs, ça. Est-ce qu'on essaierait une... la paire pour en avoir deux là? Genre, ça, j'en prends deux d'un coup. On va prendre Croco. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais on sait quoi, c'est Victor. Victor le crocodile. Et avec lui, on va prendre. Eh, que je connais pas, PS4, voilà. Au pif. Donc là, ça va pas changer grand-chose, mais c'est quand même bien si tu veux faire tout à 100%, j'imagine. Car voilà, là, tu peux donc prendre un personnage avec un qui s'est volé, un autre qui s'est allé vite, etc. etc. hein. Un de chaque catégorie. Pour ensuite vraiment faire le niveau à 100% quoi et passer par tous les moyens, par tous les accès possibles, puisque tu peux le faire en un run quoi. J'ai un peu de mal là. Mauvaise idée. Y'a rien. Ça se passe là, je crois. Ah, ma paire. Ah, elle a gagné une vie, c'est pas de trop. Ah,
Ah, il y en a trois, je n'en ai pas pris un. Bah, c'est pas de trop, oui, hein, parce que je viens de mourir bêtement, d'accord. Un peu de mal à contrôler, hein. Dans ces zones-là, dans ces moments-là, c'est pas évident. Ah ouais, d'accord, c'est qu'on peut pas aller dans l'eau. Je pensais au moins qu'on pouvait aller dans l'eau, franchement. Non, on peut pas y aller là, d'accord. Oh là, la chance, je perds toutes mes vies encore ici. Bon, on va voir si on n'est pas plus à l'aise avec Amy, là, au pire. Ou Amy, en tout cas, sa cousine, on va dire. Hop. On a l'air plus agile de notre ami le croco. Yes. C'est vraiment la musique de type Sonic, quand même. Je sais pas si c'est les musiques qu'ils ont pris. Mais c'est l'ambiance, quoi. C'est plus ou moins ce qu'on retrouvait dans Sonic Adventure. Une sorte de rock pop, quoi. Pop, ouais, pop musique, rock, grosso modo. Du coup, j'ai loupé encore. Voilà, quand ça se passe bien comme ça, c'est bon. C'est kiffant. Ah non, que change leader, non, ouais. Je crois que j'avais débloqué un coup spécial, parce que nous semble qu'on a quand même un super coup que je n'ai pas encore fait une seule fois avec aucun de mes personnages. Je sais l'avoir paramétré, je l'ai paramétré sur une touche que pour l'instant j'ai pas encore essayé. Mais je pense que ce sera peut-être plus utile pour les boss. Et d'ailleurs c'est étrange qu'il n'y ait pas Dr. Robotnik là tout à l'heure quand même. Hein. Pour un jeu Sonic... Où est Dr. Robotnik quoi? Il est pas là? Il a poussé congé? Voilà, pas trop vite en besoin, s'il te plaît. Ah, franchement, ça se joue très bien. Quand même. Un peu de fan game et tout, là, on croirait vraiment genre. C'est un jeu officiel, quoi, mais en mode genre. Époque PS2, GameCube, quoi. Bien sûr, évidemment, hein, on n'est pas dans les graphismes next-gen PS5, mais c'est plutôt quand même propre. Oh là là, je me suis foiré! Faut que j'arrête de complimenter le jeu parce que dès que je commence à dire des trucs bien. Il me martyrise. Rien n'est parfait, mais franchement, mais. Dans Sonic Adventure, il y a la même chose qui se passe. Hein. Le vrai est fait par Sega, quoi. Il y a le même genre de bug. Hein. C'est normal, hein. C'est pas évident. Sonic, c'est quand même un sacré délire. C'est tout l'inverse de Mario. Mario, c'est la précision. Et comment dire, les réflexes, peut-être, ouais. Là, c'est quand même la rapidité. Et les réflexes aussi, c'est quand même plus compliqué. Enfin, c'est pas du tout le même système de jeu. C'est plus compliqué, quoi. Plus compliqué, peut-être. C'est pour ça que Sonic a eu plus de mal à passer à la 3D que Mario, quoi. Bon, là, il y a ça. Allez, prends-le. Bon. Passons. On s'en fout des secrets. Pour le moment, en tout cas. Encore là, la caméra. Elle a pu me faire n'importe quoi. Là. Ça sent la reine. Ah, ah non, même pas, y a pas de boss. Il manque de boss quand même par contre. Hein.
Maintenant dans la version Director's Cut qu'ils sont en train de développer, hein, on verra bien. En tout cas là... Pour l'instant, c'est quand même assez complet. Alors, faut d'abord que j'ai tout le monde. J'ai l'impression. Ah là, c'est bon. Tum, tum, tum. Et bien voilà. Un niveau de plus de fait. Ce qui nous fait déjà 5 emblèmes. You unlock custom team without a doubt. Stardust Speedway. Ah, on va y aller à 3, Team Solid. Ah ok, d'accord. Là les teams sont prédéfinis mais je peux en créer moi-même. D'accord, à partir du level 5, enfin à partir du fait que j'ai 5 trucs. Maintenant je peux en créer. Bon vas-y, on va prendre la Team Sonic tout simple, non? Le classique. Elle apparemment, je crois qu'il y avait, j'ai pas le temps de lire, Boss Battle, ouais c'est ça. C'est ce que j'ai vu, la tronche de Robotnik. Avec sa grosse moustache là. Donc il y a un boss à la fin. Eh mais c'est Metal Sonic. Même une pêche, je suis resté sur le carreau. Y'a pas des pièces d'ailleurs. On est trois quand même là, oh. Ah qui sera mieux lui là. Enfoiré. Pas de balle de conserve. Et de moi vous aussi là, arrêtez de rester planté là comme ça. Rien foutre là. En fait, je crois qu'on va pas le toucher hein, quand je sais pas. Que je lui fais du un hit là, je suis même pas sûr. Là lui il m'a hit, ouais c'est sûr parce que j'ai perdu mes pièces. Ah bon, mais je sais pas si le coup d'avant c'était un hit ou pas. Il a pas de vie, je crois pas, mais si on fait 3 fois en général. Oh là là là, le vieux game over tout pourri. Ah j'ai vu 3 heures après que c'était écrit en gros en bas à droite, je sais pas comment je vais, on va pas le voir. Il y a donc la vie de notre héros et donc enfin notre héros, notre ennemi pardon. Et ouais. J'ai dû l'enlever les 2 tirs là, mais j'étais pas rendu à fond encore. Et c'est pas juste 3 coups qu'il faut, alors c'est bien plus. Ce qui est étrange pour un Sonic quand même. Vraiment, y a pas de barre de vie, hein, c'est 3 coups, puis voilà quoi. Et bon, pourquoi pas. Je l'avais pas vu, hein, je sais pas comment jouer, on va pas la voir, elle est en gros en bas à droite là. Oh là là. Je déteste ce niveau. Plus jamais je prends 2 connards avec moi là qui me servent à rien. Ils me perturbent plus qu'autre chose. Même pas ils ramassent les pièces en plus. Quand ils me lancent des boules, si je saute pas, apparemment, ils me passent tous au-dessus. Ouais, je sais qu'il y a une technique, mais bon, voilà quoi. C'est obligé quand même. Ce soit pas dur pour rien. Ah mais ils servent à rien mes alliés aussi là, qui me perturbent plus qu'autre chose. Ramassez les pièces, bande de tête de cul. J'ai compris le délire, faut s'approcher de lui, voilà ok ok. Comme je disais, il y a une technique. Ah là, il change de technique maintenant. Il a changé de, comment dire, de pattern. Faut pas se prendre des cercles, ok, d'accord. Des cercles de gaz vert, à se demander ce qu'il a fait. Des cercles de gaz qui sortent de je ne sais où, je veux pas savoir.
Ah mais je prends. Faut que je prenne des pièces quand même, voilà c'est bon, maintenant faut que j'esquive. Pas les pièces. Ah ouais non, d'accord, il m'a carrément emmené avec lui quoi. Faut pas le toucher quand il est jaune, ok. Quand il est en mode super guerrier. Allez. On est normal là. La perte du ki. Encore un coup, c'est bon. J'espère que c'est bon, je vais pas mourir quand même. Je vais me fâcher. Je vais mourir à... aussi proche de la fin. Bon, j'ai quand même compris la technique un peu tard que jamais. Donc je pense qu'une fois que tu sais comment ça se passe, c'est quand même un peu moins galère, mais bon. Je vais faire la même connerie. Il est encore avec sa sphère là, je peux pas le toucher. Là je peux le toucher. Voilà. C'est pas drôle. C'est pas fun. Ouais, pareil quoi. C'est ennuyeux, voilà. Crève. Il n'en revient plus jamais. Voilà. C'est l'air comme ça, ça n'a pas pu me compter gagnant quand même quoi. C'est parce qu'il n'y a pas eu l'explosion ou je sais pas, je suis mort. C'est un peu débile quand même, j'ai un peu en travers la gorge. 7 minutes 3 quoi. Je me suis repris au moins 4 fois, donc au moins 20 minutes. Pour un boss de merde. Le premier, quoi. Non, c'est abusé. Pour votre version de Restore Cut, il faut arranger ça, les gars. Parce que là, vous allez écœurer plus d'un joueur. Bon, voilà. Je vais quand même finir sur quelque chose. Je vous dis au revoir juste avant. Je sais pas, je vais me démerder par le montage, mais c'est juste pour quand même pour pas finir sur une note négative. Le jeu est vraiment très bien. Hein. Ça reste un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur plateforme 3D qu'il existe, Sonic ou non. Hein. Après, c'est encore mieux, évidemment, si on est fan de Sonic. Mais même si on n'aime pas forcément Sonic et qu'on veut un petit jeu de plateforme 3D gratuit, 100% gratuit, bah là, voilà, c'en est un. Plutôt complet, pas mal de niveaux, vous avez vu, il y a quand même pas mal d'heures de jeu, comme je vous ai dit, entre 5 et 6, si vous voulez tout faire à 100%. Minimum, quoi, hein, parce qu'après, je me base sur, on va dire, les speedruns que certains ont fait, entre guillemets, speedrun, mais en tout cas, ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il sait, bon, il y a peut-être pas le double, mais bon, il y a quand même bonne... petite dizaine d'heures quoi peut-être donc voilà, on reste dans une bonne moyenne de jeux de ce genre hein, gratuit c'est plutôt bien soigné bon après voilà il y a des petits défauts d'équilibrage peut-être petits défauts aussi de maniabilité mais ça déjà c'était dans le base avec les jeux officiels donc on peut pas en train de demander à un jeu non officiel fait sur le temps libre de certaines personnes qui sont juste des amateurs ou même bon voilà, peut-être que c'est des développeurs pro de leur côté mais voilà quoi qu'il en soit ils sont pas rémunérés pour ça donc ils font ça avec le cœur j'imagine bon. Franchement, bon, après, j'ai rage un petit peu avec le boss, hein, parce que c'est vrai que, bon, Jadun, c'était pas 3 coups qu'il lui fallait, mais une bonne dizaine, et en plus de ça, il y a des petits problèmes, bon. Mais bon, sinon, hormis ça, franchement, juste avant, j'étais bien amusé à traverser les quelques mondes qu'il y avait avec les quelques personnages, donc voilà, bah, histoire de rehausser un petit peu, et de pas rester sur une note négative, hein. Le jeu est bien, hein, pour un free-to-play, pardon, pour un jeu gratuit, hein, quasiment open source, parce que, bon, Sonic, c'est pas libre de droit, mais... Ce jeu-là, quelque part, lui, il est. C'est-à-dire que si vous voulez mettre la main à la pâte, hein, vous pouvez apporter vos musiques, vous pouvez apporter un niveau, ce que vous voulez. Après, bien évidemment, ils décideront de le mettre ou non. Mais voilà, c'est collectif. Mais voilà, ce qui fait que, bon, encore, voilà, c'est pour rehausser un petit peu tout ça et dire que ben, c'est quand même pas mal. Et puis, ben, y a pas mieux. Et puis, de toute façon, bah, c'est plutôt cool. Voilà, y a des hauts et des bas. Allez. S'arrêter là, je pense que c'est bon. Ciao cette fois-ci et pour de bon.